Bonjour, je m'appelle Eric Astoul et j'ai fait ma formation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec Dominique Perlet et Jean-François Esser. Et après mon premier prix de piano, le troisième cycle, et puis je me suis perfectionné un an auprès de Dimitri Bachkirov à Madrid. Et avec Jean-Marc Luzada, nous nous connaissons depuis un an et demi et c'est un grand honneur de pouvoir être participant de cette masterclass. Et j'ai une très grande reconnaissance envers Monsieur Luzada et voilà, j'apprends énormément de ce merveilleux pianiste et professeur. Bonjour. Bonjour. Et Eric va vous interpréter la Mazurka opus 24, numéro 2, de Frédéric Chopin. Vas-y. Le style, je trouve très bien. Vraiment, il y a un rebondissement. Je pense qu'il faut que tu t'engages plus. La mazurka dure 3 minutes. Donc, en 3 minutes, tu dois raconter une histoire, un univers, une atmosphère, que tout soit là, en 3 minutes. Donc, il ne faut pas passer à côté. De quelque chose, hein, même ne serait-ce que 30 secondes. Alors je dis souvent, Gustave Mahler a passé sa vie à écrire des symphonies qui duraient des fois 3 heures, 2 heures et demie, un mouvement lent durait des fois 45 minutes. Chopin, avec une mazurka de Chopin, une mazurka, disait tout ce qu'il avait de philosophie, de psychologie en 4 minutes. Hein. Donc il faut essayer, hein. Vas-y. Alors attends. Alors, je recommence tout de suite. Il faut que ça vienne de loin et surtout ne fais pas de ralenti. Il faut que tu fasses partir la mesure dans ta tête avant. Tout de suite. C'est ce que l'on appelle une oberek. Oui. L'oberek, la mazurka, et il y a deux manières de jouer la mazurka. L'oberek, qui est la danse paysanne, la danse rustique, rythmée, oui. Et la kujawiak. La kujawiak, qui vient de la Kujawi, qui est une province polonaise. Et donc, la mazurka vient de la Mazurie. Hein. Oui. Donc, l'oberek... On a le deuxième temps. Un, deux. C'est le troisième temps. Alors, on commence. Alors, c'est un tout petit peu léger. Pour que ce soit un peu moins superficiel, adhère plus. L'ornement. Le triolet, en fait, qui est un ornement. Très bien. Alors maintenant, s'il te plaît, la basse. Il y a une première partie de la phrase qui est un petit peu plus optimiste. Et la chute en mineur. Plus triste. Alors, il faut que tu exagères l'accent.
plaît. Il n'y a pas d'accent. La petite carotte qui est sur le deuxième temps, ce n'est pas un accent. La carotte, c'est un rebondissement. Et le véritable accent, il est sur le troisième temps. Ça fait deux accents. Voilà. Il est trop fort. Regarde. Non, en bas, ne rebondis pas. Voilà. Alors, j'ai un petit truc pour rendre le treille plus riche et un petit peu plus frémissant. Tu arpèges la main gauche. Au moment du treille, juste là, juste l'accord. Ça donne un effet beaucoup plus riche pour le treille. Voilà, juste. Et après, tu reprends la. Voilà, tu as dit. Alors, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir. Travaille-le-moi comme ça. Et puis. Non. Ah, non, ça va beaucoup trop. Ça va beaucoup trop. Non, regarde. Tu griffes. Comme si tu prenais le clavier vers toi. Voilà. Et oui. Si. Pousse 4, 2, 3, 2 pouces. Pousse 4, 2, 3, 2 pouces. Voilà. Ah, c'est un. Voilà. Alors vas-y, un peu plus dansant maintenant. Ah, c'est très difficile, hein, allez. Et tu vas y arriver, tu as une très bonne technique. Non. Non, c'est la fin de la phrase, regarde. Chopin a écrit. La liaison va jusqu'au ré. Donc c'est do. C'est ça. Alors maintenant, sans bouger de très près. Des attaques de 2 mm, s'il te plaît. Non, c'est trop haut. Pas plus haut que. Voilà. Alors, c'est très bien. Alors, là, c'est une Kujawiak ici. Donc, soudain, un petit peu. Et le côté modal, ce si bécart qui est extraordinaire, c'est le ressentir un tout petit peu. Allez. Alors, la première fois, absolument en mesure. C'est quelque chose de langoureux, mais toujours tourbillonnant. Non, il n'y a pas trop de rubato. Il l'a mis après, rubato. Alors là, c'est il y a vraiment le côté rubato, hein? Allez. Non. Ah non, mais alors ne fais pas. Ne me fais pas. Pas du tout, hein? Non, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. C'est juste une expression. Si tu commences à faire des accents, ça va devenir une opérette. Vas-y. Alors, reprends ici le temps perdu.
Et là, c'est le procédé du rubato, de récupérer le temps perdu. Hein. Allez. Et maintenant. Un petit peu plus frémissante. Hein. Ah oui. Alors, ça manque un tout petit peu. Alors, moi, je fais la deuxième fois. La deuxième fois. Hein? Alors, vas-y. C'est un petit peu mou. Il faut que ça soit crépitant, crépitant. Alors, s'il te plaît, maintenant, le Obérec. Là, tout à l'heure, tu m'as fait des notes. Tout est lié. Hein. Non, toutes les notes doivent être répétées. Hein. Mi, do, do, do. J'ai quoi? Non. Do. Tout est répété. Alors, maintenant, ça devient très langoureux. Il y a un forte. Tu l'as fait mezzo piano. On a eu une couleur qui était un peu tiède. Il faut qu'il y ait un grand. Non. Eric, tu... Cette main, elle se lève et... Quand tu joues, la pédale s'enlève. Alors, s'il te plaît. Ah. Alors, s'il te plaît. Le la, c'est pas. Tu m'as fait ça. Au contraire, c'est la. Et il faut avoir le courage de lier. Jusque là. Avec ta grande main, tu peux y arriver. Voilà, parce que ça sonne différemment si tu fais... Hein? Vas-y. Non, là aussi, on a besoin de... Allez, là. Non, mais à forte... Très très bien. Bah, ça, là, tu as tout à fait pigé, tu as compris le rythme. Maintenant, pour la modulation qui est sublime, il faut faire quelque chose. À peine, mais il faut faire... Il y a une sorte d'ouverture, une bouffée d'air pur, là. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre, il y avait un vent, un léger vent qui vient sur toi. Il faut le faire. Quand même, hein, il... Allez, maintenant, mi ré. Allez, ré fa mi. S'il te plaît, non mais sans soubresaut, ne fais-tu. La main gauche, yo, ça griffe. Non, griffe, il n'y a que la main qui griffe.
toi tu restes. Alors maintenant, dans la vibration 8. 1, 2, 3. Ah oui, mais il y a le troisième temps qui est accentué. Alors maintenant, il faut jouer le jeu du romantisme, du violoncelle qui est là en dessous. Alors, il y a la mazurka, toujours à la main droite. Ça évite la redite. Ouh, est-ce que ça pourrait être plus beau, ça? Et un peu à la viennoise. Tu prends le dernier temps de la mesure précédente et ça redevient naturel. Hein? Voilà, c'est un petit peu trop. Ça peut. Je ne sais pas ce que tu dis. Tu veux le prononcer un petit peu plus? Ah voilà, ce sont les phalanges. Alors, est-ce que je peux te dire juste quelque chose? Si, do, si, lentement. Si, do, si, do, si, do, mi, do. On recommence? Alors, si. Alors, essaye de le faire comme si c'était une petite guirlande, mais on ne doit même pas s'apercevoir qu'il y a de la variation. Encore. Ne ralentis pas. Bravo. Alors, un petit peu plus. Et c'est un petit peu plus rapide. Non, et diminue bien. Là, il faut que le son reste suspendu, que ça s'arrête. Des petits soupirs. Alors, tu peux aider en mettant de la pédale juste sur la dernière. Toute petite pédale. Fais-moi ici. Vas-y. La. Non, en fait, il faut faire. La. Tu diminues le do. La. Et tu mets la pédale au moment du diminuendo. Non, non, tu fais. Ça, c'est la. Tu attaques le la. Voilà. Il y a trop d'accent. De très près, en fait c'est de très près. Non. Une petite coupure. Voilà. Voilà. Donc écoute, je pense que ça devrait aller très très bien. Hein. Très bien. Voilà. Je te remercie. Merci.